Nous y sommes. Notre endroit pour la nuit. Ah, dormir en plein air. Sans toit au-dessus du moteur, quoi. Pas de mur derrière l'attelage. Je n'avais même pas pensé à ça. La musique de la forêt tout autour de nous. Je suis effrayée à l'idée de dormir loin de chez moi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Je ne voulais pas que vous pensiez que je suis en train de mouiller. C'est normal d'être nerveux. J'étais toujours nerveux quand je dormais ailleurs. Moi aussi. C'est vrai? Totalement. Et camper dans les bois peut sembler effrayant au début, mais c'est vraiment très amusant. C'est vrai. Il y a un nombre incroyable de jeux à faire quand on campe. Vraiment? Comme quoi? Chou, 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 le train file à toute vapeur. Sur les rails, sur les rails, sur les rails, sur les rails, c'est le vrai bonheur. Waouh! Regarde ces constellations, Percy. Ça, c'est Trinus. Oh, et celle de la loco. Et la petite vapeur. Ce sont les constellations du taureau, des gémeaux et celle de la petite ours. Vous savez quoi? Je crois que je commence à apprécier le camping. Heureuse de l'entendre, Percy. Oh, que je crois qu'il est temps d'aller dormir. Dormir? Oui. Nous avons un long trajet à faire demain. On ferait mieux de se reposer pour être en forme pour faire nos livraisons. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Nia. Bonne nuit, Percy. Thomas, hé, Thomas. 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 Oui, Percy. Ouf, tu ne dormais pas. Plus maintenant. Mais chut, tu ne dois pas réveiller Nia. Trop tard. Qu'est-ce qui t'arrive, le camigo? Il y a tout plein de bruits bizarres autour de nous. Comme ça. C'est juste le petit cri-cri d'un gentil criquet. Hé, Carly! Coucou, Sandy! Quelqu'un a commandé des rails? C'est par ici, Locamiga. Posez les rails. Fixez les rails. Traversez les rails. Merci. Wow, c'est bien plus difficile que je pensais. J'avais vraiment besoin d'aide après tout. Et ce n'est pas terminé. Maintenant que tout est en ordre, allons voir cette montagne de sable géante. Allez, viens, Carly. Tu ne dois pas rater ça. Et qui sait, j'aurais peut-être encore besoin de ton aide. J'ai encore une réserve de rails au cas où. Chez Whip! La première chose que je ferai en arrivant devant cette montagne de sable, ce sera de construire le plus grand château de sable. Et vous, les amis? Je vais étirer mon bras élévateur pour voir si elle est plus grande que moi. Je parie qu'elle est beaucoup plus grande. Qu'est-ce que tu feras, Thomas? Thomas? Oh, est-ce qu'on est... oh, arrivé? Oui, presque. Juste après cette montagne. Mais la pente est très raide. Je sens que je vais avoir très chaud avec cette cargaison de sable à transporter. N'en dis pas plus. Je peux te construire un ventilateur. Ou pourquoi pas un joli hangar douillet pour une sieste. Ou... je peux aussi te lire mon histoire du soir favorite, la petite loco qui monte. Ça va aller. Je pense que j'ai juste un peu soif, c'est tout. Regarde, il y a une réserve d'eau juste là. Je m'en occupe. Tu n'es pas obligée de prendre tout en charge. Je sais déjà à quel point tu es utile. Ne sois pas bête, avec plaisir. Dangereusement. Pas de soucis, je vais y arriver. Sandy, attention. Voilà une chouette zone de plongeon. Eh bien, je n'ai plus soif maintenant.
En plus, tu vas transporter une réserve d'eau dans tes wagons. Problème résolu. Mais Thomas ne transporte pas de l'eau. Il va livrer du sable. Oh non! L'eau a transformé le sable en une boue pâteuse. Je suis sûre que le sable aura séché le temps d'aller chez Whiff. Venez! Attends! Tu ne peux pas grimper cette montagne! Le sable va se déverser! Comment on va faire alors? Tout ça est de ma faute! J'avais promis d'être la meilleure assistante qui soit! Pas de gâcher cette livraison! Ne dis pas de bêtises! Je ne serai jamais allée aussi loin sans toi! On va juste attendre que le sable sèche! C'est d'accord? Oui! On n'a qu'à attendre. Ah. Bonjour, James. Cliquetis. Oups, j'ai recommencé. Bonjour, Émilie. Diesel, tes conduites font énormément de bruit. Cliquetis, clac. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien avec ces conduites qui s'entrechoquent. J'ai dit, tes conduites font énormes. Quoi? Il faut que je m'éloigne de ce bruit. Oh, tu veux faire la course? C'est parti. Non, je ne veux pas faire la course. J'essaie juste d'arriver à destination en silence. Tu ne te débarrasseras pas de moi, Thomas. Ça, c'est ce qu'on va voir. Hé, hey, mais où vas-tu? Au port de Brendam. Mais en silence. Oh, tout est calme et tellement paisible. Et tellement chaotique. Et ça tourne. Ouf. Tout va pas. De bruit, si seulement j'avais un wagon frein. Une bonne tasse de thé. Les roses sont toutes bleues. Moi, je fais partie d'un train. Et vous, qui êtes-vous? Elles dorment encore. Wow! Si tout ce bruit ne les a pas réveillées, rien ne les réveillera. Oh, c'est l'heure du déjeuner. J'aimerais bien une bonne tasse de thé. J'ai parlé trop vite. Je dois les mettre à l'abri de la pluie. Ah, voilà un tunnel. Génial. Bon, au moins ici, on est au sec et au calme. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non. Chut. Chut, 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 chut. Comment signaler ma présence sans faire mon bip? Oh, la lumière. La lumière, c'est silencieux. Bonjour, Percy. Bonjour, Thomas. Pourquoi est-ce qu'on chuchote? J'emmène Annie et Clarabelle au port pendant qu'elles dorment. Cool, comment ça se passe? C'est plus difficile que je le croyais. Peut-être que je pourrais t'aider avec ma cloche porte-bonheur. Absolument. Mais n'oublie pas, nous devons rester super ultra silencieux. Je serai encore plus discret qu'une souris. Petite sourde. Apparemment, livrer le voilier à la ferme n'était pas complètement un désastre. Oui, les vaches ont apprécié. Désolée les filles, il faut que mesdames se meuvent. Avant de venir à la ferme, on a traversé les bosses et on doit ralentir. Très bien joué. À toute vitesse. Et par vitesse, je voulais dire à toute lenteur. Journée des contraires. Ça se coupe beaucoup moins quand on va doucement. Oui, je veux dire non. Nom d'un boulon. Le levier est toujours en place pour prendre le chemin le plus long. Alors, on doit pousser le levier pour rester sur la ligne principale. Comment veux-tu qu'on réussisse en marche arrière?
et avec cet arbre au milieu des voies. Je viens d'avoir une idée. Maintenant, le levier. Wow! C'était totalement génial! On est de retour sur la bonne voie. Journée des contraires. Ah ouais! Au coucher du soleil. Mais où sont passées les vaches? Allez les filles, on bouge. Tout le monde en voiture, mesdames. Pâture est à vous. Eh bien, on dirait que vous avez tout réparé. Mauvais travail. Évidemment, je vous dirais que c'est lent travail, parce que c'est la journée des contraires. Alors, je crois que vous pouvez vous amuser et travailler en même temps. Je suis heureux qu'on ait arrangé tout ça, mais aussi que la journée des contraires se termine. Je suis usée. Oh, moi aussi. Alors bonjour Thomas. Oui, bonjour Percy. Journée des contraires. Hé Thomas. Salut. Tu n'as pas fait bip dans le tunnel, tu vas bien? Gordon ne veut pas que je fasse bip sur la livraison. Mais écoute ça. C'est génial. Et tu peux totalement faire le travail correctement et faire bip en même temps. Je sais. C'est comme s'il voulait m'empêcher de m'amuser comme j'aime. Un peu comme pendant la course d'obstacles de ce matin. Oh, c'est pour ça qu'ils sont partis. Tu es effrayée par cette colline? Oui, c'est ça. Alors l'escalader n'est pas amusant pour toi? Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que tu n'as pas aimé mon saut périlleux parce qu'il est comme cette colline. Oui, c'est ça. Alors, le super méga saut périlleux s'est transformé en super méga... saut cafouilleux. Oh, Percy, je ne savais pas que tu ressentais ça. Je n'étais pas le seul. Hein? À plus tard, Thomas. Percy, attends. Je peux le faire, je peux le faire. Hé, Kana. Je dois vraiment me concentrer, là. Ces virages sont terribles pour moi. Oh... D'accord, comme dans la zone des zigzags. Les virages devaient être terribles aussi pour toi. Oui. Hé, Kana, je suis vraiment... Salut, Thomas. Désolée. Attends. Tu vois qu'on est bien dans la boue. C'est vrai qu'elle fait du bien à mes engrenages. Oh, c'est pour ça que tu t'entêtais à sauter dans la boue au lieu de la survoler. Hein? Je me suis trompée, évidemment. J'ai fait des règles idéales pour moi, mais chacun a sa façon très personnelle de s'amuser. Je sais comment remettre les choses sur les voies. Coucou les amis! J'ai une grande surprise pour vous sur ma course d'obstacles. Venez vite voir! Je dois aller brosser ma cheminée. Oui, je dois recharger mes batteries. Je vous en prie, vous aurez droit à un graissage des essieux en plus. D'accord, Thomas. Allons voir cette surprise. Tada! La nouvelle fabuleuse course d'obstacles de Thomas améliorée. J'ai compris que vous deviez pouvoir faire les choses comme vous vouliez. Alors j'ai tout refait avec quelque chose de spécial pour chacun de vous. Allez, amusez-vous. Tu aimes la nouvelle zone Zoom Zoom? C'est fantastique. Aucune chance que Thomas gagne cette course. Je ne suis pas sur la bonne voie. Thomas, attrape! Merci les amis. Prochain arrêt chez Whiff. Attention, à fond les wagons. Fonce Thomas.
ne vends pas la peau de l'ours. Diesel est revenu dans la course. Je vais siffler et faire tchou-tchou. Et je vais passer devant toi. Voilà qui devrait le ralentir. Oh. On se retrouve à l'arrivée. Oh. Oh. Je vais siffler et faire tchou-tchou. Et je vais te rattraper. C'était difficile. Oh non! Mes wagons! Oups! On est passé près! Oh! Percy, baisse-toi! Oh! Pas de panique, Tama! J'ai dévié les voies pour arrêter tes wagons fugueurs! Carly! Ils sont hors d'usage! Regarde! Oups! Moi aussi, je vais être hors d'usage! Oh non! Quel plongeon dans la boue! Attends, je vais te remettre sur les voies. Oh, à quoi bon? Diesel a pris tellement d'avance que je ne gagnerai jamais la course. Je ne suis peut-être pas un vrai numéro un après tout. Pour moi, tu es toujours le numéro un. Tu n'as pas besoin de gagner une course pour être une bonne locomotive, Tama. Et tu as promis à Gordon de faire sa livraison quoi qu'il arrive. Vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai fait une promesse et je la tiendrai. Parole de Tama. Je vais siffler et faire tchou-tchou. J'ai promis d'être au rendez-vous. On va siffler et faire tchou-tchou. On poussera jusqu'au bout. À la poursuite d'un arc-en-ciel. Oui, mais à chaque fois qu'on s'approchait, il se sauvait. Attendez, est-ce que cet arc-en-ciel avait du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet comme couleur? Oui. Tu l'as vu quelque part? Disons que vous en êtes plus proche que vous croyez. Oh, il est là! Venez, allons découvrir ce qui se cache au pied de l'arc-en-ciel. Que peut-il y avoir au pied de l'arc-en-ciel? C'est peut-être un énorme colis de sifflet. Hé, attendez-moi! Wouhou! Rien ne pourra nous arrêter maintenant! Waouh! Je n'avais jamais vu cette montagne jusqu'à aujourd'hui. Oui. Je vois bien l'arc-en-ciel au sommet, mais je ne vois pas comment y monter. Ces voies font seulement le tour de la montagne, mais ne montent pas. Oh, c'est sans espoir. Sans une voie ferrée pour monter, on n'atteindra jamais l'arc-en-ciel. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? On essaie d'attraper l'arc-en-ciel qui est là-haut. Génial. On pourrait peut-être emprunter ces voies derrière les buissons. Oh, tu as trouvé l'entrée secrète! C'est vrai? Je veux dire, bien sûr! Mais comment va-t-on les atteindre? Les rails sont cassés! Oh! Pas de soucis! La voie pour l'arc-en-ciel sera bientôt ouverte! Pas de stress! Sandy et Carly règlent vos problèmes en vitesse! Un clac-clac par ici, un clic-clic par là, là un clic-là, un clac, un peu partout des clic-clacs! Oh! Vite! L'arc-en-ciel va disparaître! Clac-clac-clac, un peu partout des clics-clacs! Voici notre nouvel embranchement signé Sandy et Carly. Oui, les voies ne sont jamais arrivées sans vous! Attention tous les trains! À toute vapeur! Oh! Partons au pied de l'arc-en-ciel! Hey! Il y a sûrement de la magie! Partons au pied de cet arc-en-ciel! Tu en seras ébloui. Hey! C'est juste devant, on est si impatient. Au pied de l'arc-en-ciel et de toutes ses merveilles. Le pied de l'arc-en-ciel! Waouh! Vous avez vu ces couleurs? Waouh!
fusée n'est pas encore terminée. Où est Thomas? Je l'entends. Regardez, il amène la pointe de la fusée. Bravo, Thomas! Capitaine Thomas à la tour de contrôle. J'ai vraiment sauvé la situation. Oh, rien que ça. Ça y est, la fusée est terminée. Et j'ai quand même livré quelque chose d'important en fin de compte. Oh, tu parles de la batterie? Non, je parle de la pointe avant. Thomas, la fusée ne peut pas décoller sans ta batterie. C'est elle qui alimente tout. Waouh, elle est très importante. Chacune des pièces est importante. Il va pleuvoir d'une minute à l'autre maintenant. Oh mince, le lancement est fichu. Pas si j'arrive à livrer la batterie dans les temps. Je vais la chercher plus vite qu'un éclair. Oh non, je ne suis pas sûre de devancer l'orage, même à la vitesse de l'éclair. Alors c'est une chance d'avoir pour ami le train le plus rapide du système sonore. Cette fois, c'est moi qui vais t'aider en te poussant un peu. Wow, on va tellement vite. Je vole pour de vrai. Il est temps de terminer cette mission. Vitesse de l'éclair. Vous croyez vraiment que Thomas va revenir avant la pluie? Aucune chance. Hé, hey, qu'est-ce qu'on entend? Thomas! Oh, des pierres de lune. Il arrive trop vite. Thomas, la fusée en visuel, en courant d'atterrissage forcé. Oh non. Le compte à rebours. 10, 9, appuie encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décolle! Mon plan est ruiné. Maintenant, je ne pourrai plus porter Baudruche à la parade. Regarde! Elle revient par là! J'y suis presque. C'est trop haut. Même ma vapeur la pousse encore plus loin. Attends une seconde. Maintenant, elle est encore un peu plus loin. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser notre vapeur pour pousser ce ballon où on le désire. Mais même si on le pousse jusqu'à la ville, on ne l'attrapera jamais à cette hauteur. Alors c'est là qu'on improvise. Qu'on improvise? Oui, tu sais, inventer au fur et à mesure. Bon, c'est d'accord, on improvise. Et si on pousse Baudruche vers la montagne Mirador, on pourra l'attraper par en haut? Mais avec quoi va-t-on l'accrocher au passage, Nia? Sandy et Carly ont des crochets. Oui, je vais les chercher. On vous retrouve le plus vite possible au sommet de la montagne Mirador. Merci, Kana. Viens vite, Thomas. On va passer par là. Un petit nuage par-ci. Et un petit nuage par là. Carly et Sandy sont là-haut avec Kana. On est là. Coucou. Salut, en bas. On y est. Donnons un dernier élan à Baudruche. 3, 2, 1. Décollage. Allez, viens. Plus haut que prévu.
magnifique. Quelle magnifique journée pour une grande aventure. Attendez-moi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Un aventurier doit toujours être prêt à tout affronter. Nous allons dans une mine, Percy. Justement, c'est pour respirer sous l'eau, au cas où la grotte serait inondée. Et ça alors? C'est une machine à effrayer les fantômes. La mine est forcément hantée. Et quand on est bien préparé, on a moins peur. On est arrivé. Maintenant, nous n'avons plus qu'à trouver la grotte de cristal. Ils feront des yeux comme des soucoupes en voyant que la petite Sandy est arrivée avant eux. Tu veux dire que Sandy et Diesel sont arrivés? Bien sûr. Nous y sommes. Je vais prendre la carte. Parfait, en avant. Quand j'ai dit que la vieille mine était sombre et effrayante, pourquoi je ne me suis pas écoutée? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je ne sais pas, cette vieille carte est difficile à lire. Tout le monde va bien? Peut-être qu'on devrait rentrer à la maison. Viens plutôt voir par ici, Percy. Par où faut-il aller? Il fait si sombre ici que je peux à peine lire la carte. Regardez! Par là! En avant, club de la grande aventure! C'est parti! Pourquoi je ne me suis pas plutôt inscrit au club de la petite aventure? Par ici, Diesel! Dépêche-toi! Facile à dire pour toi, tu es si légère que ce pont ne risque pas de s'écrouler sous toi. Bon ben, plus de retour possible. Le club de l'aventure, plus grand encore, va toujours de l'avant. Regarde! Des cristaux! La grotte de cristal est sûrement dans cette direction. Je parie qu'il y a des araignées géantes ici. Cool, ce serait formidable. Et je parie qu'il y a des serpents, des mille pattes, des chauves-souris et des petits vers qui gigotent. J'en ai sur moi, je les sens, je crois que je les sens. N'aie pas peur, Percy, je suis sûre qu'il n'y a rien de tout ça.